vous avez eu besoin d'argent, vous avez mis cet argent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin des salariés que vous ignorez depuis des années. Mais pourquoi? Alors attendez, je vais vous adresser. Pourquoi on a besoin des salariés? C'est notre question. Bah donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que je crois là? Parce que vous n'avez pas besoin de vous dans vos propos. Le problème, ce n'est pas que vous soyez bien, monsieur. Parce qu'on m'a dit que j'étais interdit. J'ai cru comprendre que j'étais interdit de séjourner. Il y a une procédure. On nous fait une petite salle cachée. Non, mais là, on n'est pas dans la procédure. On a une rencontre informelle comme on en a eu. Je suis en droit aujourd'hui de dire à monsieur Niel que dans le cadre de cette procédure, votre venue, elle est non seulement elle pose une interrogation, mais laquelle, elle n'est pas très laquelle, bien. Laquelle interrogation? On ne comprend pas, et vous n'arriverez pas à l'expliquer, sauf à nous dire réellement ce que vous cherchez. Est-ce que je suis un actionnaire minoritaire de cette entreprise? Vous n'êtes pas là au titre de mon actionnariat minoritaire. Pardon, monsieur, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Anthony. On a échangé les mails. Vous connaissez ma position, moi je suis complètement opposé à cette réunion. Donc vous souhaitez que je parte? C'est la seule question, monsieur. Vous êtes le directeur de l'établissement. Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? C'est ma question et répondez clair, oui ou non. Oui. Je vous prie, monsieur. Excusez-moi. Vous l'avez souhaité, vous êtes d'accord. Oui, Anthony. Oui, j'arrive à suivre. Je ne vous empêchais pas de faire la réunion. Non, monsieur, vous m'avez demandé de quitter cet établissement. Mais la question, elle est simple, monsieur Serfati. Il faut s'assumer. Vous êtes comme employé de CMA-CGM. Est-ce que vous me demandez de sortir de cet établissement? Est-ce que vous me demandez de sortir de cet établissement? Qu'est-ce que vous avez dit? Sortez, monsieur. Voilà. Sortez. Anthony, tu sors aussi, s'il te plaît.